Ça fait 3 mois que j'attends ce trailer, il a suffi de le sortir au moment où je m'endors. Et d'ailleurs, vous avez été très 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 nombreux à m'envoyer le trailer au beau milieu de la nuit. Genre, vous, vous dormez pas ou c'est comment? Moi, généralement, 22 h, je suis couché. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien, mesdames et messieurs, et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Il est actuellement 7 h du matin au moment où je tourne cette vidéo. Je viens de me réveiller. Je viens de me réveiller et là, qu'est-ce que je vois? Que le trailer de la saison 9 de The Flash est sorti pendant la nuit. Je les déteste. Genre, j'attends ce trailer depuis très longtemps. Il a suffi de le balancer quand je suis en train de dormir. Bref, mesdames et messieurs, petite vidéo réaction au trailer. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Alors, apparemment, ce n'est pas un trailer, mais plutôt un teaser. On va voir ce que ça va donner. Il y aura potentiellement une vidéo réaction qui va, enfin, une vidéo analyse qui va arriver. Ça va dépendre de ce que ce teaser va nous montrer. Mais en général, je suis hype, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. C'est la première des choses que je suis en train de faire de la journée, tu vois. Et rien de tel que de commencer la journée avec le tout premier trailer de la saison 9 de The Flash, de la dernière saison de The Flash. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Du coup, le blabla, c'est pour plus tard. Maintenant, on commence directement par regarder le trailer. You have been through a lot in 9 Juste la years. musique, ça se voit, c'est... And I'm very proud of you. It's not over yet. It's not over yet. I need your help to save the world. I have nothing. Il parle... Oh! Attendez, il parle à qui? Il parle à qui? Il parle à qui? Il parle à qui, là? Il parle à qui? Genre, il a la tête levée dans une forêt. I need your help to save the world. Genre, il a la tête levée dans une forêt et il parle à quelqu'un. Ça c'est une autre histoire, ça c'est une autre histoire. Les gars, c'est rien du tout, hein. C'est rien du tout ce trailer. On va pas se mentir, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Mais la musique triste. La refonte du thème de The Flash. Juste regardez-moi ce fond là. Attendez, j'ai encore perdu ma source. Attendez. Elle est où la source? Voilà. Elle est là. Juste le fond avec la petite rougeur et tout. Et le fond, c'est un truc genre apocalyptique et compagnie. La musique, le One Last Time. Non mais juste la musique triste. Tous les personnages qu'on vient de voir dans le trailer. Hein. Rien que les personnages qu'on vient de voir dans le trailer. Attendez. Bon, on va le refaire. On va le refaire. On va le refaire. La musique, la musique, la musique, ça se passait là-bas, ça se passait là-bas, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, ça se passait là-bas, ça se passait là-bas, je suis trop content. You have been through a lot in 9 years. You have been through a lot. And I'm very proud of you. It's not over yet. It's not over yet. Bon, par contre, il est dans une forêt et il parle à quelqu'un. Je dis ça, je dis rien, mais ça ressemble à Lian Yu, tu vois. Ou peut-être Grodd, mais ça ressemble à... Je vous aime, je vous aime, le trailer il est incroyable. Oh, Rattaway qui est de retour! Rattaway qui est de retour! Le GOAT! Ok, Captain Boomerang, premier visuel. Juste là, le final season, Flash qui court avec la musique épique et tout, c'est incroyable! Run, Barry, run! J'attends, 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 j'attends. We can do the impossible. Et là, qu'est-ce qu'on a? Mais. Ah, je fais n'importe quoi, attendez, je fais n'importe quoi. Par contre, j'ai l'impression que c'est la main d'un mec. J'ai l'impression que c'est la main d'un mec, mais on a une meuf qui crie dans le fond. Ah non, la meuf qui crie, c'est juste dans la scène d'après, mais en tout cas, peut-être la méchante Killer Frost. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ah, ok, c'est Cécile qui crie et il y a Joe qui est derrière elle. Golden, je sais pas quoi, Golden. C'est pas Glider, Glider c'est la sœur de Snart, Golden, Goldface, truc de genre. C'est qui lui? C'est qui lui? Lui on le connaît pas. Lui non plus on le connaît pas. Ah lui on le connaît pas. Imaginez ces spectres. Bon, je dis un peu n'importe quoi, mais imaginez ces spectres. Non mais nous on a une dizaine de personnes, hein. Ok, Chester, Flash qui balance un lightning. Barrieris. One last time. Tintin. Oh là
là là, qu'est-ce que c'est une masterclass? Qu'est-ce que c'est une masterclass? Bon, je doute qu'il y ait des trucs à analyser, hein. Je doute vraiment qu'il y ait des trucs à analyser. Mais on va essayer de le faire là maintenant tout de suite parce que je doute que faire une vidéo analyse d'un teaser de 30 secondes en vaille la peine. Du coup, là, on a un plan sur Starlab. La musique, encore une fois, incroyable. You have been through a lot. Et là, on a Barry qui regarde un truc où il y a des éclairs. Ça me rappelle une scène dans la saison 3, si je dis pas de bêtises. Vous vous rappelez quand Wally, il était piégé dans la Speed Force? C'était à peu près la même chose. Peut-être que Barry est dans la Speed Force ou un truc dangereux. Ça me rappelle aussi avec ou avant et après Crisis on Infinite Earths. Peut-être qu'il est vraiment dans la Speed Force parce qu'on voit des éclairs et le temps, il est un peu, comment dire, il est un peu bleu et tout. J'ai l'impression qu'il est vraiment dans la Speed Force. Est-ce qu'il peut rencontrer Oliver encore une fois? Je sais pas. Ça se voit, c'est la fin. C'est tout ce que je voulais. Ceux et ceux qui ont regardé toutes les vidéos de Flash, c'est tout ce que je voulais. Vous savez que c'est tout ce que je voulais. Je sache que c'est le désespoir, qu'il y ait une musique triste, que dès le premier trailer, on nous dit voilà, c'est la fin et tout. Et c'est ça, c'est en train d'arriver. Je suis trop content. D'ailleurs, je m'excuse pour ma hype, mais j'arrive pas à la canaliser. C'est quand même la toute première série que j'ai regardée. Et j'ai l'impression qu'on revient vers les bases. Alors, c'est vraiment super génial. Bon. Les gars, je veux rien savoir. Je veux rien savoir. Pour moi, cette forêt. J'ai deux solutions, soit Snart, soit Oliver. Je veux rien savoir, c'est soit Snart, soit Oliver. Je ne sais pas si vous vous rappelez la saison 3 ou 4, si je dis pas de bêtises, il a récupéré Snart dans une ferraille comme ça. Et c'était le même temps. Et il y avait aussi Ralph dans le même temps dans la. Mais la forêt, elle me rappelle soit Snart, soit Oliver. Soit. Désolé, soit Lianyu du coup. Mais je viens vous dire qu'il est 7h du matin que je viens de me réveiller. Alors soyez un peu indulgents. Soit Snart, soit Oliver. Mais le truc en fait, c'est qu'il a rêvé de ça. Parce que regardez le temps de la forêt, il a rêvé de ça. Et juste après, il se réveille. Attendez, je fais un peu n'importe quoi. Voilà. Et juste après, il se réveille. Et après ça, il vient dans la fameuse forêt pour parler à quelqu'un pour lui dire qu'il a besoin de lui. Et il parle en haut, tu vois, il parle en haut. Et s'il parle en haut, Snart, il ne peut pas lui parler en haut. Genre, Snart, il lui parle comme ça. Il le regarde dans les yeux. Mais s'il regarde quelqu'un comme ça. Soit c'est le spectre, aka Oliver, parce que c'est un autre. Vous voyez ce que je veux dire? Soit c'est Goria Grotte. Goria Grotte, je pense pas qu'on puisse exclure ce truc parce que voilà, ce Goria Grotte, c'est devenu un gentil, etc., etc. Lui, il peut regarder comme ça vu que Goria Grotte, il est plutôt grand, tout simplement. Du coup là, voilà. Mais en tout cas, ce plan, il est incroyable. Ce plan, il est incroyable. Ce plan, il est incroyable. Là, je pense Starlab est un peu. Ok, du coup là, sûrement la méchante Frost qui va apparaître. Et en globalité là, on en manque presque. Bon bref, mesdames et messieurs, on va pas faire plus long que ça. Hein, on va pas faire plus long que ça. Teaser incroyable qui nous met directement dans l'ambiance, qui nous met directement dans la sauce. Et ça fait plaisir. C'est ce que je voulais, c'est ce qu'on veut et on est en train de l'avoir. J'ai hâte de voir le premier poster, j'ai hâte de voir le trailer, tu vois, le vrai, vrai, vrai trailer, et j'ai hâte de le voir. Le trailer, parce que là, c'est un teaser, et il n'en met pas, c'est génial, Flash is back, baby, Flash est en train de remonter dans mon estime à un niveau pas croyable, Flash, meilleure série de tous les temps, je vous le dis. Ah, je vous le dis, avec la fin de Flash, il y a moyen qu'elle détruise Supergirl. Ah, avec la fin, il y a moyen qu'elle détruise Supergirl. Bref, encore une fois, on va pas faire plus long que ça, mesdames et messieurs, n'hésitez pas, vous, à me dire en bas dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé de ce fameux petit teaser. Vous aurez vu que je l'ai adoré, mais genre vraiment adoré. L'ambiance, elle est incroyable. Les révélations sont incroyables. Il y a tout, il y a tout. Il y a même de nouveaux personnages et tout. Il y a Arteta, oui, quand même. Il y a Arteta, oui. Bref, vraiment, dites-moi en bas dans les commentaires, qu'est-ce que vous en avez pensé? Quel est votre degré de hype concernant The Flash? Parce que moi, c'est over 9000. Je suis super content du retour de la série, franchement. Je suis super content de la qualité de ce trailer. Et juste la musique, tu vois, ça te montre que c'est le désespoir et tout. Bref, 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 mesdames et messieurs, dites-moi tout ceci en bas dans les commentaires. Merci à tous, merci à toutes pour le soutien. Et pour ceux et celles qui regardent encore les vidéos de The Flash parce que je sais qu'on est une petite communauté et qu'on est tous soudés, tout ça fait extrêmement plaisir de vivre tout ça avec vous. Bref, petit pouce bleu, abonnement ce n'est pas déjà fait en cliquant juste ici. Tu peux regarder notre vidéo en cliquant juste là. Et moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.